Connu depuis l'Antiquité, l'hibiscus se fait encore apprécier de nos jours. Ceci vient certainement de ses bienfaits innombrables sur la santé. L'hibiscus se présente sous diverses variétés, telles que l'hibiscus syriacus, qui peut très bien être une denrée alimentaire. Mais parmi ces nombreuses espèces, celle qui est la plus intéressante en tant que produit naturel thérapeutique est l'hibiscus sabdarifa. Appelée oseille de Guinée ou bisap, cette variété d'hibiscus se distingue par ses fleurs de couleur rouge. Découvrons donc ensemble les 11 bienfaits de l'hibiscus pour la santé. Numéro 1. Favorise la perte de poids. L'infusion de fleurs d'hibiscus est l'allié indiqué pour retrouver la ligne, mais également pour la conservation du poids santé. En consommer permet non seulement de maintenir une glycémie normale, mais aussi d'éviter l'accumulation de gras au niveau du foie. Cette dernière étant causée par exemple par la consommation d'alcool, entraînant parfois une hépatite non alcoolique. Et compte tenu du fait qu'elle maintient une glycémie normale, l'infusion de fleurs d'hibiscus permet de prévenir le diabète. Car en effet, elle réduit significativement la résistance à l'insuline qui attaque les cellules. Par ailleurs, la dite infusion contribue également à l'accélération du métabolisme, débouchant assurément sur la perte de poids. Et ceci en réduisant l'assimilation de glucides et de sucres par l'organisme. Numéro 2. Diminue les risques d'hypertension artérielle. En effet, la consommation de fleurs d'hibiscus sous forme d'infusion a la particularité de diminuer significativement les risques d'hypertension artérielle. Ceci, bien évidemment, en réduisant le taux de mauvais cholestérol et de triglycérides, ce qui par ailleurs contribue à réduire l'accumulation de graisse. La fleur d'hibiscus peut donc être très bénéfique en cas d'athérosclérose. Il faut également noter qu'elle favorise la circulation sanguine, ce qui est très avantageux pour le système veineux. Et grâce à cela, la santé cardiovasculaire est également préservée tout en diminuant les risques d'AVC. Il est d'autre part important de préciser que l'infusion de fleurs d'hibiscus a une plus grande efficacité que l'hydrochlorothiazide, qui est la molécule pour la lutte contre l'hypertension. Numéro 3. Lutte contre la dépression. La fleur d'hibiscus se comporte en effet comme un antidépresseur, en boostant la santé mentale. Une action notamment due aux flavonoïdes contenus dans la fleur en question. Consommer l'hibiscus en infusion permet à cet effet de se défaire de la démotivation et peut être un excellent moyen pour débuter la journée, mais également pour la conclure sans sombrer dans la dépression. Numéro 4. Ralentit le vieillissement. La consommation de fleurs d'hibiscus sous forme d'infusion confère une meilleure santé aux cellules de l'organisme. Et cela permet de prévenir l'impact du stress oxydatif en luttant contre les radicaux libres. Ceci étant notamment dû à la quantité importante d'antioxydants qui donne à la fleur d'hibiscus sa coloration pourpre. Ces antioxydants se chargent, comme leur nom l'indique, de diminuer l'oxydation des cellules et donc de ralentir le processus de vieillissement. Numéro 5. Préserve des infections urinaires. Les bienfaits de l'hibiscus permettent en effet d'éviter les infections urinaires bénignes grâce aux propriétés antifongiques et antibactériennes que possède sa fleur après infusion. Et il est à cet effet essentiel de préciser que l'hibiscus est une plante aux vertus diurétiques, vertus contribuant par exemple à lutter contre la formation des calculs rénaux par limitation de la rétention d'eau. Numéro 6. Éclaircit le teint et protège la peau. Utilisée sous forme de cataplasme, la fleur d'hibiscus rend non seulement le teint plus clair, mais également la peau plus saine. En effet, elle nourrit cette dernière, l'hydrate et la protège. L'hibiscus soulage d'ailleurs les piqûres d'insectes, mais traite aussi les problèmes liés à l'épiderme. Des problèmes tels que les allergies, eczéma suintant, abcès et crevasses, pour ne citer que ces quelques-uns. Numéro 7. Favorise la santé des cheveux. Consommer l'infusion d'hibiscus a la particularité de conférer de nombreux atouts à la chevelure. En effet, en le faisant, celle-ci gagne en beauté, en brillance, mais également en croissance. Les pointes deviennent ainsi plus lisses et l'apparition de cheveux blancs est ralentie.
Il est d'autre part possible d'utiliser de l'huile d'hibiscus par application sur le cuir chevelu, prévenir les pointes fourchues et la perte des cheveux, ainsi que se débarrasser des pellicules. Vous pouvez l'utiliser en masque capillaire le soir, en massant doucement les cheveux et le cuir chevelu, puis en les enveloppant dans une serviette pour la nuit. Cela redonnera brillance, volume et vitalité à vos cheveux abîmés. Nous vous recommandons d'ailleurs l'huile d'hibiscus Made in France de la marque WAM. Elle peut être utilisée en soins du visage, du corps et des cheveux. Vous trouverez le lien de ce produit dans la description de la vidéo. Numéro 8. Améliore le transit intestinal. En effet, les bienfaits de l'hibiscus interviennent également dans le mécanisme de digestion, et notamment lorsque ce dernier devient anormalement lent. Le transit intestinal est alors amélioré grâce à la forte contenance de la fleur d'hibiscus en pectine et en mucilage. C'est en effet celle-ci qui lui confère un effet laxatif doux. Mais en plus, les intestins sont débarrassés des déchets, même les plus récalcitrants. L'infusion de fleur d'hibiscus est par ailleurs indiquée dans le traitement des maux d'estomac. Numéro 9. Réduit la fatigue et la fragilité. Il est important de préciser que la fleur d'hibiscus possède une grande richesse en vitamine C, d'où son fort apport énergétique offrant vitalité, dynamisme et motivation. Mais en plus, les bioflavonoïdes et acides organiques qu'elle contient permettent le renforcement des défenses immunitaires. L'hibiscus a d'ailleurs une efficacité certaine dans la lutte contre les spasmes musculaires. Numéro 10. Soulage la douleur. Apaiser la douleur fait en effet partie des bienfaits de l'hibiscus. Se comportant comme un antalgique par le biais de l'infusion de sa fleur, il peut en effet aider pour le soulagement des douleurs menstruelles. Mais également, il soulage les douleurs musculaires liées aux efforts physiques. Numéro 11. Protège les voies respiratoires. L'hibiscus présente aussi des bienfaits, contribuant à lutter contre les différents symptômes de la fièvre. Ceux-ci comptent en effet la toux, les maux de gorge et tout autre problème affectant les voies respiratoires supérieures, que ce soit des cas d'inflammation ou alors des cas de refroidissement. D'ailleurs, consommer de l'hibiscus permet de soulager efficacement les symptômes liés aux bronchites et aux angines. C'est donc ici un ensemble de bienfaits que peut procurer l'infusion de fleurs d'hibiscus. D'autre part, concocter celle-ci est assez simple. Il vous suffit d'ajouter 3 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus dans une casserole contenant 1 litre d'eau à ébullition. Puis, laissez cela infuser pendant environ 10 minutes en vous rassurant de remettre le couvercle sur la casserole. Ensuite, il n'y a plus qu'à filtrer le tout et profiter de cette délicieuse boisson à la fois acidulée et rafraîchissante. D'ailleurs, l'infusion de fleurs d'hibiscus est également un délice lorsqu'elle s'est refroidie. La consommation d'hibiscus peut d'autre part présenter certains inconvénients. Elle est tout d'abord contre-indiquée chez les femmes enceintes et chez celles en période d'allaitement. La fleur d'hibiscus est à cet effet susceptible de provoquer une fausse couche en déclenchant les règles, compte tenu du fait qu'elle est en ménagogue. Et en ce qui concerne l'allaitement, c'est plus une mesure de précaution pour le nouveau-né. Mais l'infusion de fleurs d'hibiscus peut aussi être nocive chez tout individu, lorsqu'elle fait le sujet d'une consommation en trop grande quantité. En effet, il est très probable que cela affecte le foie, d'où la nécessité de consulter un professionnel au préalable. Aussi, il est impératif de s'en tenir au dosage prescrit, mais aussi à la durée pendant laquelle l'infusion peut être consommée. Ceci afin de profiter sans danger des bienfaits de l'hibiscus. Toutefois, dans l'idéal, 3 prises de 225 ml sont largement suffisantes par jour, sur une période de 4 semaines au maximum. Nous espérons que tous ces bienfaits thérapeutiques que nous avons dévoilés sur l'hibiscus vous seront d'une grande utilité. Toutefois, il est possible que l'excès de consommation causant des désagréments varie d'un individu à l'autre. N'hésitez donc pas à demander l'avis d'un expert afin d'éviter tout effet indésirable de cette fleur. Connaissez-vous d'autres bienfaits de l'hibiscus? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer de profiter de toutes nos astuces santé.